Le magazine Autoplus a fait récemment les calculs. Avec un radar pour 9204 habitants, Perpignan serait championne de France. 12 radars sont en effet installés actuellement dans la ville, 1 pour la vitesse, 11 qui surveillent les feux rouges. Un exploit que l'on ne doit pas pour l'instant à la ville, mais à la préfecture, qui jusqu'à maintenant avait seule la compétence. Une préfecture qui assume, les radars sont efficaces. Le constat national, mais qui se vérifie aussi à Perpignan, c'est une diminution de 50% de l'accidentalité mortifère, donc vraiment des morts sur la route, pas juste de l'accidentalité, mais vraiment des morts sur la route. Donc oui, le bilan est positif, et l'activité de ces radars, dans ce qu'on appelle les messages d'infraction, donc les mauvais comportements captés par les radars, ont diminué aussi, divisé par deux, depuis la mise en place de ces radars. Deux choses inquiètent actuellement les associations d'automobilistes. D'abord, l'arrivée de nouveaux radars, plus petits et moins visibles. Ensuite, la nouvelle loi de décentralisation qui va donner plus de pouvoir aux villes pour installer ces nouveaux radars. Une loi qui pourrait également permettre à ces villes de récupérer une partie de l'argent des amendes. C'est vraiment important aujourd'hui pour les collectivités de récupérer des sous, parce qu'elles en manquent, elles en ont besoin, elles le disent, elles l'expriment. Et elles l'expriment d'autant plus que la taxe d'habitation a été supprimée. On présuppose en tout cas que les collectivités vont se servir de ces petits radars miniatures pour remplir aussi les caisses de la commune. Si les villes ont depuis un mois une nouvelle compétence sur les radars, rien n'est encore décidé sur la répartition des recettes. Mais du côté de la ville, on se veut rassurant. Quand on met un radar de feu, c'est pour éviter quand même qu'une voiture ne passe rouge et ne percute un piéton, une trottinette ou un vélo. Le premier but est là et c'est pas du tout la course à l'argent. Hein. En tout cas, pas en ce qui nous concerne. L'an dernier, les radars perpignanais ont flashé 9000 automobilistes dans la ville.